à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les quintés d'aujourd'hui, lundi 22 janvier 2024. Nous sommes à Pau, la Réunion 1, deuxième course. Le style est, comme vous le savez très bien, la location des styles est, c'est toujours 110 000 euros, 110 000 euros, 16 déclarés. Ces chevaux sont déclarés partants dans cette course. Bienvenue encore une fois de plus. Nous allons devoir faire notre analyse et à la fin de cette analyse, je donne ma sélection des 8 chevaux comme quelques-uns de nos abonnés nous ont suggéré. Donc, c'est un peu ça. Bienvenue encore une fois de plus. Si c'est votre première fois de nous entendre, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche aussi des notifications pour ne pas rater d'autres très très belles astuces dans cette vidéo, car dans cette chaîne, je donne des astuces vraiment gratuites, aussi des astuces payantes, des pronostics. Nous avons aussi notre e-book top 3 qui renferme des méthodes assez solides. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire pour plus de détails, c'est un peu ça. Bien, sans pour autant perdre le temps, nous allons donner nos chevaux de la première classe, deuxième classe, ainsi que ceux de la troisième classe. Et du coup, nous passons directement à notre sélection. Donc, c'est un peu ça. Bien, quels sont les chevaux de la première classe? Parmi les chevaux de la première classe, nous avons premièrement le cheval 7. Nous avons le cheval 7. Après le cheval 7, nous avons le cheval 2. Ces deux chevaux vraiment sont les chevaux très 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 expérimentés, très habiles sur cette distance surtout et dans cet hippodrome des Pau, c'est-à-dire ce sont des chevaux déjà très très bien assis. Le dé est suivi des 10. 10. Après le numéro 10, nous avons le numéro 12. Après le numéro 12, nous avons enfin le 8. Voilà les chevaux de la première classe. 7, 2, 12, 10, 12 et 8. Nous passons du coup à la deuxième classe. Quels sont les chevaux de la deuxième classe? Si j'ai toujours dit, pour ceux-là qui nous suivent pour la première fois, ce sont les 5 favoris. Ce sont les 5 favoris ici, c'est ça la première classe. Donc ici, nous donnons les 5 favoris de la course. Parfois, on retrouve 3 chevaux dans certaines courses, dans des courses difficiles, 2 et parfois 1 cheval. C'est pas grave, ce sont les courses, mais la plupart retrouvent 3 chevaux. Ici, ce sont les chevaux vraiment de la deuxième chance. Il arrive des fois ici, quand on retrouve par exemple 3 chevaux, ici on retrouve des. Pour les courses difficiles, si on retrouve ici 2 chevaux, ici on peut retrouver 1 cheval, soit 2, et ici on trouve 1 cheval. C'est comme ça. Et c'est ça la logique de cette astuce. Donc, c'est un peu ça. Quels sont les chevaux de la deuxième classe? Nous avons le cheval 6. Après le cheval 6, nous avons le cheval 15. Après le 15, nous avons le cheval 12. Après le 12, nous avons le cheval 1. Après le cheval numéro 1, nous avons le 15. 15. Donc voilà ici, il y a le 12
qui apparaît dans la deuxième classe, c'est-à-dire les 12 fait encore son apparition. C'est un peu ça. Ça, ce sont les chevaux de la deuxième classe. Ici, on retrouve deux chevaux aussi. Surtout parmi les trois premiers ici, il faut faire attention entre 6, 15 et 12. Donc, il ne faut pas vraiment négliger ces trois chevaux ici. Voilà. Et directement, nous passons aux chevaux de la troisième classe, qui sont considérés comme étant des surprises, des tocards. Première proposition, il y a les 5. 5, c'est parmi les tocards qui peuvent vraiment s'imposer dans cette course. Il y a les 11. Les 11 est suivi de 9. Voilà les trois chevaux qui peuvent vous surprendre dans cette course. C'est à vous de choisir parmi les trois lesquels vous pouvez prendre et mettre dans la combinaison, c'est un peu ça. Et voilà. Très rapidement, nous passons déjà à notre sélection. Notre sélection. Prenons d'abord les deux chevaux ici. Nous avons le cheval 7 et 2. Voilà. Après 7 et 2, ici on prend aussi les 12. Les 12, on prend aussi les 10. Et ici on prend le 15. Et les 12 est déjà là. On prend aussi les 6. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 2 chevaux. On ajoute le As. On ajoute le As. S. Et enfin, on met le cheval 5. Voilà la sélection. Nous avons 7, 2, 12, 10, 15, 6, As et 5. En tout cas, c'est ça notre sélection pour les quintés d'aujourd'hui, lundi. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance à tous pour la course d'aujourd'hui. Et le grand rendez-vous reste les prix d'Amérique que nous sommes en train aussi d'attendre. Et nous allons aussi vous donner toujours notre sélection pour ces grands prix. Merci et à la prochaine.